C'est l'histoire d'un couple en vacances dans le Nord et plus précisément à Kumak. Ils sont fans de nature et de randonnée, ça tombe bien, les grottes de Kumak sont superbes et accessibles. Il est 14h, les voilà partis en voiture, équipés de lampes torches, sac à dos, chaussures de marche, bref, le matos qui va bien. Ils traversent Kumak, prennent la direction des grottes, passent le pont sans difficulté et arrivent à destination. La journée s'annonce magnifique, la beauté de la nature est au rendez-vous, idéal. Ils arrivent devant l'entrée de la plus grande grotte, rien de bien sportif. Les pierres sont naturellement posées en forme d'escalier. Ils entrent dans la grotte et allument leur lampe torche. Un vrai décor de film. Ils prennent leur temps, inspectent le moindre recoin. L'humidité commence à se faire de plus en plus dense. La lumière du jour est de moins en moins visible. Le couple continue sa course et arrive bien vite à la fin de leur exploration. Un panneau indique qu'ils ne peuvent pas aller plus loin puisqu'il y a des risques de danger de mort dus au gaz émis par la grotte. Le couple est déçu que leur randonnée soit déjà terminée. Ça fait à peine une heure qu'ils y sont et décident de prolonger leur course au-delà du panneau pour ajouter un brin d'adrénaline. Les voilà repartis. L'accès est moins facile, mais ça vaut le coup. Après quelques minutes de marche, la lampe commence à clignoter, puis soudain, elle s'éteint. Évidemment. Pas de problème. Le mari sort son téléphone. 10% de batterie. Bon, ce n'est pas grave. Ça ira jusqu'à la fin de leur exploration et puis sa femme a son téléphone aussi, donc pas d'inquiétude. Sauf que son téléphone est resté dans la voiture. Là, je sais moi là, mais moi je l'abandonne dans la grotte là. Panique à bord. Suite à cet incident, ils décident de vite rebrousser chemin et commencent à regretter leur soif d'interdit. La grotte est très sombre, il ne reste que 3% de batterie sur le téléphone du mari. Le calcul est simple, l'aller leur a pris 1 heure, plus 20 minutes de chemin interdit. J'ai calculé, ça fait 1h20. Leur journée paisible se transforme en cauchemar. Même si le retour est beaucoup plus rapide, ils le savent, ils n'arriveront jamais à la fin de la grotte avec de la lumière. Ils continuent à un rythme soutenu, passent devant le fameux panneau. Sa femme trébuche, se blesse la cheville. Le mari tente de soutenir sa femme et arrive ce qu'il devait arriver. Le téléphone s'éteint. Il décide de s'asseoir et réfléchir à une solution. Pas grand-chose à faire d'autre. Aucune notion du temps. Il fait nuit noire, le temps passe, la faim commence à se faire sentir. Heureusement, ils avaient prévu des barres céréales et de l'eau. Mais jusqu'à quand? Comment allait-il sortir de là? Une chose est sûre, ils ne se séparent pas. La dame est blessée, trop risqué de continuer dans la nuit noire. Ils attendent. Finalement, le couple s'endort. La grotte est glacée. Combien de temps s'est passé? 6 heures? 12 heures? L'angoisse commence à prendre le dessus. Tous deux paniquent, envisagent le pire, mangent leur dernière vivre, puis tentent de se rendormir. Soudain, une voix d'enfant au loin rompt le silence. Le mari demande à sa femme s'il commence à avoir des hallucinations. Celle-ci dit qu'elle a aussi entendu quelqu'un. Le mari crie de toutes ses forces pour qu'on puisse l'entendre et s'étonne du faible écho de sa voix dans la grotte, puis crie de nouveau encore plus fort. La grotte est par chance visitée. Les visiteurs entendent le mari et portent secours au couple. Ils sont complètement affaiblis, mais enfin, le cauchemar se termine. Le couple est resté 2 jours enfermé dans la grotte. Belle, j'ai moyen de puer la roussette après, hein.